Bonjour et bienvenue dans Golden Pause, le format court de 12 FPS, dans lequel on prend une pause pour vous recommander un film d'animation à voir absolument. Aujourd'hui, on vous recommande Les Triplettes de Belleville, un film d'animation traditionnel de 2003 de Sylvain Chaumet. Le film raconte l'épopée de Madame Souza pour sauver son petit-fils, passionné de vélo, qui a été enlevé par des malfaiteurs. Elle sera aidée dans sa quête par les Triplettes, trois chanteuses de cabaret retraitées et déjantées. Et refusons tous les mots devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes. Alors Robin, pourquoi est-ce qu'on doit voir ce film ? C'est un film muet qui vous raconte une belle histoire et on vous a longtemps parlé du show dont tel, eh bien ceci en est une masterpiece. Il n'y a pas de dialogue et pourtant tout est compréhensible, tout passe par le biais de l'animation et c'est un bijou, c'est des idées, c'est de la créativité. À chaque image, chaque dessin et chaque concept nous permet d'aller utiliser la force de l'animation dans tous les domaines. C'est aussi une patte graphique, une animation inédite, un régal pour les yeux. Car nous avons la possibilité de voir Sylvain Chaumet, un magicien de l'animation et du dessin. C'est une patte graphique très différente de celle de Disney, très différente de celle des animés, qui se rapproche un peu de ce que faisait Betty Boop ou Tex Avery plus. Et du coup, c'est assez innovant et inédit puisqu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ce genre de dessin à l'écran. La French Touch. Et c'est donc pour ça qu'il faut aller voir Les Triplettes de Belleville. Alors prenez une pause et matez des films d'animation. Je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette.